sur les plages de l'Atlantique ou de la Manche, il reste les vestiges d'une guerre que je n'ai pas connue. Quand j'étais enfant, je n'en savais pas grand-chose. Ce n'étaient que des blocs de béton usés, ouverts et mystérieux qui nous inquiétaient. Des cubes étranges, effondrés ou posés par hasard sur la dune, qui sentaient le sable froid et les excréments. Attirait pour jouer, à la guerre ou pour trouver des choses. Les grands cherchaient surtout à y amener des filles. Le plus souvent, elles ne voulaient pas y aller. Les blocos sont des repères de vacances, comme les pins, la dune ou le jeu du jokari. Je ne dois pas être le seul. Plus tard, j'ai compris que pour avoir les restes d'une guerre, il faut la guerre et des hommes pour la faire. Pourtant, difficile d'imaginer que ces rondeurs de béton ou ces cavités carrées aient pu un jour servir à quelque chose, et puis un jour être habitées. Et là, 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 là. Eh ben, dis donc. C'est pas vrai que ça existe encore, plus de 55 ans après, 50 ans. Eh ben mon Dieu. Eh oui, 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 oui. Parce que j'avais des bons copains quand même. On a passé des bons moments et des mauvaises aussi. C'est sauvage maintenant. Alors ça doit être le mien, ça. Ah oui, celui-là, là. Vous le gardiez. Moi, là, 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 là. Mais oui. Jour et nuit. Moi, ça me fait plaisir de le revoir. Et comme ça, au moins, je l'ai revu 50 ans après, quand même. Alors, vous voyez cette blocos-là. On a fait une charpente. Qui représentait une maison, une cheminée et tout. Et extérieur, il était peint avec des fenêtres et des portes. Hein? Alors, on aurait dit que c'était une maison. C'était camouflé contre les avions, là. Ah, mais moi, j'ai pas de mauvais souvenirs ici. Pas de mauvais souvenirs. J'avais pas mal de contact avec les civils. C'était la guerre? Mais quand même. Nous, on faisait mal à personne. À eux, ils nous ont jamais fait mal non plus. Alors, pourquoi pas s'attendre? Hein, on était toujours... Moi, chaque instant, j'étais manger chez des... invité à manger chez les civils. Chaque instant. Hein? Ah oui? Et ici, là, on avait fait un jardin de légumes. Hein? On avait des tomates formidables. Karl a passé 3 ans à surveiller le ciel dans son blocos, près de Saint-Nazaire, avec d'autres soldats allemands, des copains, des jeunes militaires comme lui ou presque. Karl est un Tchèque de langue allemande, un Sudète, une région de Tchécoslovaquie, qui a demandé son rattachement à l'Allemagne en 1938. Karl fait comme les autres, il s'engage dans l'armée du Reich, et il part occuper la France parce qu'on lui a dit de le faire. En 1945, à la reddition de la poche de Saint-Nazaire, Karl n'a plus de pays, plus d'avenir. Il est resté en France, il n'a jamais revu son blocos. C'est un vieil homme qui cherche ses souvenirs et qui n'a pas le sentiment d'avoir fait l'histoire. Il y en a qui ont nagé là-dedans, mon Dieu. L'eau était bien propre, mais maintenant il doit avoir des sacrés saloperies là-dedans. Oui, 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 oui. 50 ans après, les souvenirs de Karl vont devenir des monuments historiques, des objets de musée que d'autres commencent à parcourir. Des historiens, des muséographes qui n'ont pas connu la guerre. Ah, mais ils ont mis un cadenas là.
Ah oui, on a l'impression que tout est fermé. Hein. Ah non, c'est ouvert. Ça a été recassé. Jade. Bon, la crapahuté. Jade, hop. Allez, hop. Allez. Tu veux pas y aller? Bon, on va y aller là. Voilà, d'ailleurs c'est hyper impressionnant. Voilà. Donc on va aller dans la soute à munitions. Pour moi ça fait partie du bord de mer, ça fait partie de la plage. Oui, c'est le côté aussi aventure, découverte, quoi, voir comme c'était dangereux, interdit, un peu club des cinq, quoi, vous voyez, aller découvrir avec une lampe de poche. Beaucoup de gens les trouvent laids comme des verrues sur le littoral. Pour moi, je les trouve beaux, mais pour beaucoup de gens, ils les cachent, ils les enterrent, ils les cassent. Le mur de l'Atlantique, dans les années à venir, est appelé malheureusement à disparaître. Parce que c'est quand même pour beaucoup de gens la trace d'une occupation par une armée étrangère, quand même la trace d'une défaite. D'une grande défaite. C'est pour ça que les gens qui ont connu l'époque sont plus motivés pour les mépriser que des jeunes adolescents maintenant qui viennent avec une lampe de poche pour les visiter, pour faire sauter les pétards, pour s'amuser. Les blockhaus sont de drôles de monuments historiques. Outils de défense du territoire, mais construits par l'ennemi, ils n'ont pas de noblesse, pas de grandeur, pas de gloire. Personne n'en veut, ils dérangent, ils provoquent le malaise et imposent leurs verrues de béton dont les croûtes se gangrènent. Au bord de la mer, ils sont là, immobiles et indestructibles, comme des tombes malsaines, des lieux de souillure, habituels et repoussants dont on ne sait plus très bien à quoi ils pouvaient servir. Les stratèges nazis n'ont pas prévu les contretemps. Ils ont mis en place un système offensif brutal qui ne peut plus s'arrêter. Ils n'ont qu'un objectif, conquérir et détruire s'il le faut. En 1942, quand ils butent sur l'Angleterre et sur la mer, Hitler n'a pas de solution. Face à une réalité qui ne lui obéit pas, il fait une mauvaise réponse tactique. Il décide de construire une ligne de défense de 15 000 casemates qui longera la mer de la Norvège à l'Espagne, l'Atlantic Wall. Un gigantesque chantier de 300 000 hommes s'installe pour cette nouvelle muraille de Chine voulue par Hitler. Il croit qu'elle le protégera du reste du monde. Ce monde qu'il ne peut pas contrôler et qui menace ses rêves. Il pourra ensuite partir à l'est, sur Terre cette fois-ci, et s'élancer vers les steppes de l'Oural. Une
Une autre propagande après la guerre et la libération installera la légende d'un mur construit par les Allemands et des prisonniers asservis. Sur la plage de Dinard, qu'il n'a jamais revue, Lucien cherche son ancien chantier où il a travaillé en 1943. La maison là. Ouais, ouais. Carré là. Ah ouais. Et il y en avait plus haut, mais ils les ont cachés, les ont remblayés. Hein. Ils sont planqués. Puis... Ça ? Le prieuré, le photo du prieuré. Mais ils en ont démoli un là. Ah ouais. Sur la butte là, il y en avait un là. Les Allemands, ils ont été dedans tout le temps de l'occupation ah ouais. Là. Parce qu'il y en a un qui l'avait foutu le feu dedans en 41-42. Ah bah je sais pas. Ça fait 54 ans. Bon, ben merci. Allez, au revoir. Je m'étais trouvé à Rennes sans travail, quoi. Et comme j'étais célibataire, et eux, ils nous nourrissaient, on était logés et tout. Ah ben oui, on était payé comme ouvrier normal, quoi. Mais presque toutes les entreprises du bâtiment travaillaient pour les Allemands. N'importe comment, il y avait que ça. Hein. Qui c'est qui travaillait pas pour eux? Même le paysan, lui, qui cultivait son champ, il faisait du blé, il y avait des trois quarts, c'était pour eux. Si vous voulez par là, il fallait bien manger. Collaborer, c'est dire beaucoup. Travailler pour eux, n'importe qui, tout le monde travaillait pour eux, soit directement ou indirectement. Premièrement, on n'était pas payé par eux non plus. On n'était pas commandé par eux. On travaillait pour une entreprise française. Lucien n'est ni un traître, ni un lâche. Juste un homme ordinaire qui cherchait du travail comme les autres dans une époque troublée. Le mur, dessiné par les Allemands, sera en grande partie construit par les entreprises de bâtiments français. Des entreprises bien payées qui, après la guerre, ont effacé très vite de leurs archives ces étranges chantiers. Tout le monde préfère oublier cette époque sans gloire. En principe, on n'était pas tellement bien vus. Hein. On sentait bien qu'on n'était pas tellement désiré dans le coin. On ne savait pas. Pour nous, c'était du béton, puis c'est tout, quoi. De l'Europe occupée. Les Alliés ne seront que retardés par les blocos invincibles. Il y aura juste un peu plus de morts, un peu plus de souffrances. Par Hitler, le mur de l'Atlantique ne pouvait absolument pas le protéger. Faire sur des milliers de kilomètres une protection étanche est illusoire. Les armées alliées savent très bien et depuis longtemps contourner les défenses fixes. Au moment où ils sont construits, les blocos appartiennent déjà à la stratégie inutile d'un autre siècle révolu. De chaque côté, des soldats vont se faire massacrer, car pour le prouver, il faut des morts et des actes héroïques. Les uns bombardent, les autres résistent en obéissant tous les deux à des logiques qui les dépassent. Mais à la fin des combats, quand les perdants défilent entre les vainqueurs, les héros ont toujours des têtes de pauvres types. Les nazis se croyaient invincibles. Ils ont cru dans la puissance de leur offensive. Ils ont cru dans la solidité de l'acier et dans sa surface inaltérable. Avec le mur, ils vont aussi massivement utiliser un matériau récent qui va pouvoir enfin faire ses preuves, le ciment armé. Ils vont se protéger avec de gigantesques épaisseurs
si bien faites qu'elles pourront résister aux bombes les plus puissantes jamais produites par l'homme. Et dans l'histoire de la guerre, il y a toujours une épée qui devient plus forte que la cuirasse. Celui d'en face fait des progrès, et le blindage, aussi solide soit-il, finit toujours par être percé avec une nouvelle technique. Fin de la guerre, raid aérien des Alliés sur la base de Brest. La première bombe éclate en surface. La deuxième est d'un type nouveau. Elle traverse d'un seul coup toutes les protections de béton. Les traces de son passage sont toujours là. En 1945, les rêves du Troisième Reich vont s'effondrer aussi sûrement qu'on a percé le béton. En me promenant sur les plages, j'éprouve une curieuse sympathie pour ces colosses doucement basculés sur le sable. S'ils sont bizarres, ils n'ont pas l'air méchants. J'en suis d'ailleurs gêné, et je me suis souvent demandé pourquoi je n'avais pas d'aversion ni de dégoût pour ces blocos nés de la guerre et de l'horreur des hommes. Lorsque les enfants découvrent pour la première fois les blocos, je ne pense pas qu'ils imaginent que ce soit un produit de l'homme. Lorsque l'on voit une maison, immédiatement, on imagine que quelqu'un l'a voulu, que quelqu'un peut-être l'a conçu, et en tout cas qu'un certain nombre de personnes l'habitent. Alors je crois que ces bâtiments aujourd'hui n'ont plus de père véritablement. Ils n'appartiennent ni aux Allemands, ni aux Alliés, ils appartiennent à la guerre. Et je crois que l'histoire, encore une fois, a un rôle qui nous dépasse dans le cours de sa longue durée. Eh bien, tel un glacier, pourrait-on dire, qui elle broie certaines choses, elle en garde d'autres, elle en déplace encore certaines, et tout cela fait que ce n'importe quoi se transforme en quelques bâtiments rescapés, en quelques bâtiments superbement blessés, dont les transformations, dont les bris, dont les aléas de l'histoire font eh bien, justement des témoins de cette histoire, et il n'y a plus de jugement moral à porter sur la chose, c'est ce qui est arrivé jusqu'à nous. Les blocos du mur de l'Atlantique ne ressemblent à rien parce qu'ils sont construits sans aucune référence. Leur seule fonction consistait à marquer un territoire, encaisser les obus de l'adversaire et se fondre dans le paysage. Mais c'est peut-être parce qu'ils s'étendent sur le littoral, au même endroit qu'une frontière magique entre la terre et la mer, qu'ils accèdent à une autre dimension. Les techniciens allemands font profiter au maximum des qualités de ce béton si fluide et si obéissant quand on le coule, et si solide ensuite pour créer les formes les plus curieuses, les plus inattendues. Délivrés de la guerre, ces formes n'appartiennent plus au discours des guerriers et des stratèges, mais à ceux plus subtils et plus déroutants, des architectes ou des esthètes. C'est un bâtiment qui est éminemment discret, qui passerait là en mer un peu rapidement, eh bien peut-être ne le verrait pas. On voit une savante transition entre la roche telle que la nature l'a ciselée, puis petit à petit un muret qui annonce, mais toujours dans le registre de la pierre, l'intervention humaine. Et enfin, dans un dernier temps, on voit cette bâtisse en béton armé. Certes, le bâtiment est très massif, mais périodiquement, il semble que ces blocs de béton eh bien, soient interrompus pour venir glisser des vitrages, ou un redan qui ici se trouve être encore plein, mais pourrait peut-être être dégagé, moyennant quoi on serait là face à une œuvre qui pourrait être une œuvre honorable d'un architecte moderne de l'entre-deux-guerres. Donc, d'un objet hautement utilitaire, eh bien, on glisse petit à petit vers un appel à la métaphore et un appel au rêve, pourquoi pas. Là, il y a aussi une sorte de collection de béton, telle que les architectes les aiment et telle que les populations souvent les critiquent.
Vous savez, Le Corbusier parlait de la poésie du béton mal fichu, mal foutu, disait-il, je crois. Je crois me souvenir que Miss Van der Rohe parlait de béton qui avait le charme de l'écorce des cerisiers. Eh bien, ici, on voit effectivement des bétons qui offrent la veine du bois qui a servi à faire les coffrages, mais on voit aussi les agrégats qui apparaissent et qui rappellent de quel sable et de quel gravier ces bétons sont faits. Et pour celui qui aime le béton, et beaucoup d'architectes les aiment, il y a là une forme de sensualité qui pourra étonner peut-être. Dans les années 60, Paul Virilio, qui vient de commencer une recherche personnelle sur l'archéologie des Blocos, dessine avec l'architecte Claude Parent une église qui revendique ouvertement une inspiration esthétique puisée chez les colosses oubliés du bord de la mer. Il crée une curieuse continuité entre un abri à canon et la maison d'un dieu, mais ce sont toutes les deux des grottes fracturées, porteuses d'émotions, de symboles et d'imaginaires. Qu'ils soient laids ou qu'ils soient beaux, peu importe. Les Blocos sont là et ils appartiennent à l'histoire des hommes qui les utiliseront pour des grands desseins ou qui lui donneront des destinées plus simples, mais plus rassurantes. Ah ben, le peindre complètement ? Ah non, 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 naturel. Il y a juste les entrées qu'on peignait avec mon mari, c'est tout. Voilà. Non, parce que c'est naturel. Si vous allez par là, c'est naturel. Il en faudrait des kilos de peinture pour le peindre. Vous savez, vraiment. Alors, voilà. Depuis bientôt 40 ans, Rose habite dans un blocos. Son mari, un marin un peu original, trouvait que l'absence de loyer donnait à ces masses de béton des qualités appréciables. Ils sont trois, côte à côte, près de la mer, au milieu des champs. Celui qu'elle habite est le même que les autres, 4 mètres de béton qui protège une salle de tir de 32 mètres carrés, soute à munitions comprises. Alors, vous voyez, le blocos... Je l'ai pris comme ça. Vous voyez, il est dans le même état que je l'ai pris. Et vous voyez ces rails-là ? Ben, j'ai les mêmes chez moi, mais ça ne paraît pas, parce que le ciment a été fait. On est très bien, comme dans une maison, exactement pareil. Mais oui. Alors, voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai mon petit coin cuisine, ma gazinière, tout est bien. J'ai tout ce qu'il me faut là dans ma cuisine. Là, c'est ma cuisine. Voilà. Et puis là, ben, c'est ma salle à manger. Voilà, ma salle à manger, vous voyez ? Là. Et puis là, j'ai ma chambre à coucher. Alors là, on arrive dans le salon, là où c'est que je suis tous les jours. Voilà. La plupart de mon temps, je suis là dans mon salon, devant ma télé ou à travailler, ou voilà. On ne dirait pas que c'est un blocos. Et pourtant, ça fait 36 ans que je suis dedans. Ça ne me plaisait pas, vraiment, ça ne me plaisait pas. Je ne voulais pas venir, enfin, je l'ai fait parce que mon mari a insisté. Autrement, vraiment, ça ne me disait rien. Puis ma foi, ben après, ben, quand il a été installé comme je voulais, c'était bien. Où voulez-vous que j'aille ailleurs pour être mieux ? Alors de ce côté-là, on voit la mer. Et du côté de ma cuisine, je suis à la campagne. Voilà. Rose est une vieille dame qui voudrait finir sa vie tranquille avec ses souvenirs. Là-bas, dans son pays, on dit avec gentillesse, quand on passe près de chez elle, « Tiens, c'est le blocos de Rose !» Moins des militaires, des guerres et des violences injustes, ils pourront peut-être avoir maintenant une autre histoire.